Namasté les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un petit horoscope pour la semaine du 13 mai en trois cartes. Hein, donc ça va être rapide mais précis. Première carte, vous avez eu stabilité affective. Donc pour vous, je pense qu'il y a pas mal de possibilités où des solutions vont être enfin trouvées. Alors ça, la stabilité affective, ça peut être aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine professionnel, amical ou familial. Hein, il y avait comme si il y avait eu des petits, pas forcément des petits soucis, mais des petits désaccords, des petits problèmes comme ça, à droite, à gauche, qui faisaient que, sur le plan émotionnel, vous n'étiez pas à l'aise. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, il y a vraiment ce côté où vous allez retrouver une certaine, sérénité. Hein, vous allez être vraiment dans un état où vous serez mieux pour aller de l'avant, mieux pour, entre guillemets, affronter certaines choses et les mettre en place. Hein, il y a vraiment ça qui ressort cette semaine. Donc, il y a vraiment un équilibre. Deuxième carte, des dépenses imprévues. Donc là, c'est pareil. Je pense que du fait que vous avez cette stabilité retrouvée, ça vous permet quand même de gérer mieux vos affaires. Alors, ce n'est pas forcément que financière, que matériel. Et ça peut être aussi, je pense aussi, il y a une histoire de gérance au niveau du relationnel. Alors, donc, ça peut être là aussi dans tous les domaines. Hein, et du fait que vous avez retrouvé un certain équilibre, que les idées sont beaucoup plus claires, beaucoup plus... bon, maintenant, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, au moins, vous savez où vous allez, où vous mettez les pieds. Je veux dire, vous avez les cartes en main. Donc, maintenant, il ne vous reste plus qu'à agir. Donc, pour ceux que c'est vraiment positif, il n'y a pas de souci, ça continuera comme ça, même s'il y a des imprévus, hein, pas forcément sur le plan financier ou matériel, mais s'il y a des imprévus, du fait de votre état d'être, votre état d'âme, hein, vous allez justement pouvoir mieux gérer la situation, quelle qu'elle soit. Okay ? Ensuite, la dernière carte, vous avez vu le diable de poussière, embrasser le chaos. Je pense qu'en plus, bon, alors là, c'est bon, ça paraît un petit peu ouf, chaud. Mais je pense que, comme on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et je pense que vous êtes vraiment en ce moment dans un état où rien ne peut vous arrêter. C'est surtout ça que moi je ressens. Hein, ce n'est pas forcément que plein de choses négatives vont arriver ou vont se passer. Mais c'est que, quelle que soit la situation, vous allez reprendre les rênes en main. Hein, vous allez vraiment, puisque justement, en vous servant des expériences passées, hein, parfois il y a des cycles qui se répètent, et là, ça y est, vous avez compris certaines leçons, vous avez compris certaines expériences. Hein, et donc là, à la rigueur, je dis, vous êtes boosté du fait de votre stabilité affective, vous êtes boosté pour pouvoir justement faire mordre la poussière à ceux qui pourraient, entre guillemets, vous emmerder. Donc je pense pour vous, cette semaine, ça va être une assez mouvementée, mais vous maîtrisez la situation, c'est ça qui est bien. Voilà pour vous les balances. Namasté.